annoncé et nous ferons une conférence de presse spécifique. Parlons le ton dans le sol indien. Uniquement, c'est une conférence de presse uniquement au Saint-Brando. C'est un dossier difficile, un dossier beau. Mais vous pouvez faire ça, la conférence de presse sur le ton dans le sol indien. Pas que non. Bonne question et tout. Même vous direz que des boules à l'actualité politique aussi, le 1er mai et l'Alliance. Je travaille ici, mais même PMSD. Mais c'est fini. Causer tous les liens, après, nouvelle discussion, nouvelle question, y compris leur situation politique, même si je ne risquais pas gagner beaucoup de réponses de sa deuxième idée. Alors, laissez-moi commencer, comme dans le cas de Saint-Brandon, il est important de faire une conférence de presse, leur situation, le ton dans le Saint-Indien. Me rappelle les autres, qui, du 8 au 12 mai, dans quelques jours, prenant la conférence annuelle du Indian Ocean Tsunami Commission et tient un deadline jusqu'à le 8 avril pour qu'il y ait différents pays qui souhaitaient soumettre une proposition. Le Indian Ocean Tsunami Commission en a 31 membres. Il regroupe tout un pays qui soit zot riverain, c'est-à-dire zot autour de l'océan Indien, soit zot la peste dans l'océan Indien. 31 membres entrent. Parmi 20 pays membres, il y a l'Inde, surtout l'Inde, l'Indonésie. Ensuite, il y a Maurice, Seychelles, Comores, Madagascar, Maldives, il y a Mozambique, Tanzanie, Sud-Afrique, Kenya, Sri Lanka, Pakistan. Il y a aussi, entre autres, il y a aussi comme membre de sa Indian Ocean Tuna Commission, là, il y a l'Union Européenne, la France, la Chine, le Japon, l'Iran. Entre autres. Et la Grande-Bretagne. La Grande-Bretagne, Timon, avant, grâce à Sarkozy. Mais avec un gisement qui est nage, mais qui est sauvé, à cela, je manque, parce qu'il supposait que j'étais dans deux bateaux qui la pêche dans l'océan Indien. Pas trop pourquoi, on va tous les autres. Mais en fait, j'étais toujours dans l'Indian Ocean Commission à cause de ça. Un grand absent, c'est les États-Unis, la Russie. Il faut pas dire ça parce que même le Japon manque, l'autre bout du monde, mais le Japon manque. Mais un grand absent, c'est les États-Unis, la Russie et Taïwan. Taïwan qui n'est pas reconnu par les Nations Unies et sur une organisation d'une façon générale. Alors, qui fait, mon pays a dit bien important, faire une conférence de presse. Le taux dans l'océan Indien, parce qu'il nous permet une catastrophe. Il y a overfishing, puis la peste. Trop court, et puis la peste brite. Le taux dans l'océan Indien nous permet une catastrophe. L'Union Européenne, vous savez le mot fort, l'Union Européenne, c'est pire l'océan Indien. Il n'y a pas de mot trop faux. L'Union Européenne, c'est pire l'océan Indien. Et nous vous en rappelons, quand nous cause le ton, nous fait cause 5 000 à monter emploi à l'île Maurice. Donc il y a une situation dramatique. Il y a overfishing. Fait la pêche trop beaucoup de ton dans l'océan Indien, nous perd vers une catastrophe. En particulier, il y a 15 chalutiers, la Seine. Ça veut dire ça, sa méthode-là qui fait overfish complètement. La méthode de la pêche qui était dans le pays européen, je servis satellite, je servis hélicoptère, je servis une pêche saineuse, une grande la Seine, un coup de ramasser 100, 200, 300 tonnes de thon. Donc, il y en a 15 chalutiers pareils espagnols, 10 français, plus 13. Les autres chalutiers qui ont un pavillon, c'est chez moi, mais qui appartient à l'Union Européenne, et trois
qui bat pavillon Maurice, mais qui, en fait, c'est l'Union européenne. Depuis l'océan Indien, et fini sur ton, et il y a quelque chose de dramatique dans nous. Non seulement fait overfish, non seulement fait la peste au couton, mais fait servir aussi un bébé, un instrument qui appelle Fish Aggregating Devices. Là, c'est ben quelque chose qui laisse flotter, parce que ben ton là, ben poisson, ben ton, vient aggreger autour, vient rassembler les autres autour, et les ramasser une selle, 100, 200, 300 tonnes d'eau. Et bien, ça va le fish aggregating devices, là. C'est un massacre, d'abord pollution. Là, on y a, ça c'est même là, on y a dans ces selles qui n'ont le ramasse, ça va une face, là, dans une zone, dépassé 100, plastique, pollution. Et aussi, ramasse tout. Ramasse pas de juvénile, ça veut dire un petit petit ton, c'est pas encore un gros cerf. Après, les étés, ils étaient dans la mer. Ramasse pas de juvénile, ramasse pas de dauphin quand il y a un dauphin. Ramasse requin, ramasse tout. Après, ils étaient dans la mer, ceux qui n'est pas capable d'aller dans l'usine mettre en conseil. Tout le monde d'accord. Tout le monde, y compris l'Union européenne, d'accord, qui vise à réduire. Ça va une fat, sa quantité fat qui va servir là. Tout le monde d'accord. Y compris Maurice et y compris l'Union européenne. L'Inde en faveur un ban. L'Inde en faveur qui interdit sa van fish aggregating devices là dans l'océan Indien complètement d'ici 2024. Là, Finenens, une réunion à Mombasa le 5 février, elle va en avant quand même. Fin prend une décision, un ban, interdire, ban fish, c'est-à-dire ban fish aggregating devices, pendant 72 jours, dans chaque année, diminuer le nombre de fats en général et servir toutes sortes de méthodes pour arrêter sa ban. Exploitation à travers ban fish aggregating devices. Seulement, cette interdiction y applique l'eau high sea seulement, ça veut dire dans la mer internationale, il pas applique dans la zone économique. C'était le 5 février à Mombasa. Ils ne tiennent pas en avant, mais seulement ban paiement, c'est dans 120 jours. Pour protester, pour mettre une protestation officielle, si je le désire faire. Et ça, Indian Ocean Tuna Commission, elle est une organisation faible. Parce que si un pays objecté, ben, il n'est pas obligé d'appliquer sa décision qu'il prend là, il n'est pas obligé d'appliquer tout ce bateau. Dans ce cas. Et c'est ce que l'Union européenne finit faire il y a quelques jours de cela. Officiellement, l'Union européenne imposait. Objecté officiellement, donc ce bateau peinant pour appliquer sa décision qu'il prend à Mombasa. Et ce qui n'arrive à Mombasa, c'est vraiment choquant. Kenya, Mombasa c'est au Kenya, comment je le connais, Kenya qui vient fixer sa réunion là, Kenya qui est pour présider, etc. Dernier ministre, Kenya retiré, sous pression de l'Union européenne. Mais ça va une méthode coloniale, ça va une méthode dépassée complètement. L'Air Kenya, in retiré, l'Indonésie, l'Inde, Kim Jong-un à la dernière. Mais on condamne sa façon de faire de l'Union européenne. Et déjà, quand nous calculons l'Union européenne, nous déclenchons contre une méthode néocoloniale, mais. Ça permet l'importation de thon en boîte dans l'Union européenne seulement si c'est un bateau qui l'appelle ça. Thon qui l'appelle ailleurs, il rentre avec duty. S'il rentre, il rentre avec duty. Mais ça aussi, elle a fait dépasser complètement en 2020. C'est vrai que dans le passé, Maurice Ingain, dans certains cas spécifiques, pas une dérogation. Mais maman qui connaît ce que Maurice demande. Pas de dérogation. À venir,
étant donné que l'Union européenne peut dire sa décision qu'il prend à Mombasa là, il faut une pénurie de thon pour se battre l'usine à Maurice et aux Seychelles. Lundi à nous, est-ce que la possibilité de gagner en dérogation, comme il gagnait dans le passé, existait et fin évoqué? Est-ce qu'il finalement a une capacité de stockage frigorifique suffisamment, qui même si elle n'est pas capable, la pêche avec une phase pendant une période, même si elle a une baisse de la prise de thon, mais elle a une capacité de stockage frigorifique qui pour le moment est suffisante d'après mon renseignement, et qui coûte très cher naturellement pour augmenter, mais qui puisse augmenter pour prendre. Alors aujourd'hui, il y a deux cas. Dans un cas, il y a un pays riverain qui se fait tracasser parce qu'ils ont un pêcheur. Un pêcheur dans un pays tout autour de l'océan Indien. Ils n'ont pas la pêche avec hélicoptère, ils n'ont pas la pêche avec persénèse. Ils ont un pêcheur artisanal. Mais c'est un gaïpère. Donc, dans un camp, il y a un pays riverain, surtout l'Inde et l'Indonésie, mais aussi l'Afrique du Sud, Pakistan, Mozambique, Malaisie, Sri Lanka, Maldives, même l'Australie. Donc, il y a un camp avec à la tête l'Inde, mais il y a aussi un pêcheur de Maurice, Seychelles, Comores, La Réunion, qui se tient l'association qui appelle une association des pêcheurs artisanales de l'océan Indien. Ils ont tout contre ce système Fish Aggregating Devices complet. Bon, je presque irrigué comme on calcule ce qui est arrivé à Mombasa. Là, maintenant, UK, Péran-nous, ça peut supposer, étant à des Péran-nous, l'Union européenne, petit l'océan Indien, même à Mombasa, la Grande-Bretagne, inside avec un pays riverain, oh là, l'Union européenne a râlé, mais vous voyez, pour racheter qui vous supposez, la Grande-Bretagne, inside avec un pays riverain complètement. Dans le cas de Maurice et de Seychelles, il est dramatique. Parce que dans les deux cas, il y a des milliers d'emplois en jeu. Mais d'un côté, il n'y a pas de milliers d'emplois en jeu, mais de l'autre côté, t'es fini l'océan Indien. T'es fini le thon dans l'océan Indien, autour des Seychelles et dans le reste de l'océan Indien. Donc une dernière triste, qui à Mombasa, Maurice et les Seychelles font une side avec l'Union européenne, d'une façon indécente, franchement, alors qui c'est tout la pêche au thon qui est menacée par l'Union européenne dans l'océan Indien. C'est pourquoi je me pose une certaine question. Est-ce que Maurice fait faire une proposition, la prochaine réunion donc, de l'Indian Ocean Tuna Commission, pour faire à Maurice du 8 au 12 mai? Premièrement, est-ce que Maurice fait faire une proposition? L'Union européenne, il soumet une objection formelle à ce qu'il s'est décidé à Mombasa, mais il fait une bonne proposition, qu'il faut examiner à sa réunion. Il fait une bonne proposition pour voir son rôle, franchement. Hein. Est-ce que Maurice fait une bonne proposition? Est-ce qu'il finit là, au niveau gouvernement, une consultation nécessaire au niveau gouvernement, avec le secteur privé, une compagnie concernée, qui emploie des milliers de personnes, si vous avez la considération avec l'opposition aussi, avec une NGO concernée et avec une pêcheur qui membre, à Maurice aussi, d'autres membres de la fédération de une pêcheur artisanale de l'océan. Vous avez une bonne consultation. Et vous avez une bonne consultation aussi avec un pays riverain concerné, à commencer par l'Inde et Maldives. Moi, j'espérais qu'il y ait une coordination entre Maurice et l'Inde, l'un sujet pareil. Vous avez une coordination, consultation, coordination avec l'Inde, Maldives, l'Indonésie,
même l'Australie, le Sri Lanka, le Mozambique, la Malaisie. Des accords nous violons, surtout concernant l'Inde et Maldives. Maldives, nous m'en voisins là, en plein cœur de l'océan Indien. Mais moi, je dirais que j'ai une consultation avec Seychelles aussi. Parce que Seychelles aussi, bien, bien unhappy. Seychelles aussi, bien, bien connaît que toute la pêche autant menacée dans l'océan Indien. Mais à cause qu'à faire, parce qu'il y dépend sur l'usine de mise en conserve de thon dépend complètement de l'Union européenne, alors et Maurice et les Seychelles, Finsail à Mombasa et ailleurs, avec l'Union européenne, contre les pays riverains comme l'Inde, comme Maldives et les autres. Mais malgré ça, vous avez une consultation avec les Seychelles aussi. Je tenais un ministre des pêcheries très actif et qui connaît ce dossier. Il connaît bien ce dossier, on connaît bien. Un jeune, tellement jeune, mais très fort. Mais bien, à cause du violon, Maurice Seychelles, tous les deux en difficulté, tous les deux menacés, et avec les autres aussi. Les autres pays riverains, à commencer par l'Inde, l'Indonésie et Maldives. Voilà. Ça vient de venir une question, si il y a bonne question. Movine, quelques mots pour la commission, pour la situation, pardon, situation politique actuelle, c'est à tous côtés le 1er mai et l'Alliance Parti Travailliste, MMM, PMSD. Pour le 1er mai, NSM, il met tout cas des bâtons dans l'arbre. C'est un bloc pour lui, à travers la municipalité de pour lui, c'est un faire bloc pour lui, c'est un bloc va quoi. Là, quelques jours, bien c'est là, une soi-disant, les autres interdictions, là, pas interdictions, mais c'est dire qu'il y en a qui finit réservé pour lui. Là, des trois jours, c'est là, il dit, ah, non, après tout, pas pour une année, mais trop tard, nous n'arrivons que tout n'arriver, trop tard. Je dis, bien même pas qu'on en a beau, et en ce qui concerne nous, MMM, il est bien dommage qu'il nous va faire l'ensemble. Travailler, c'est même PMSD pour le 1er mai, parce qu'après qu'il nous fait une petite réunion ensemble le 12 mars, c'est un momentum, un élan qui s'est développé. Vous regrettez donc, il y a dommage qui ne va pas être capable à le 1er mai ensemble. Par ailleurs, tout pas encore réglé concernant l'Alliance Parti Travailliste PMSD. MMM, et aussi concernant ce document qui nous peut soumettre tous les trois ensemble, qui nous peut soumettre au commissaire électoral, et qui presque finalisé, mais pas encore finalisé d'une façon finale, si on est capable de dire. Discussion, nous avons des points là, pour conclure très vite en ce qui concerne le document qui nous peut soumettre. Et discussion peut répondre. Par ailleurs, en ce qui concerne ça, l'Alliance MMM Travailliste PMSD. Nous pouvons conclure surtout le document qui est prioritaire pour nous. Nous pouvons conclure très vite là pour nous soumettre au commissaire électoral. Mais étant donné qu'il y en a beaucoup quelque chose qui est publié dans la presse ces jours-ci, je précise un quelque chose. En 2003, avant qu'il y ait Nero Jagmap, le président de la République, nous amendons la Constitution pour donner beaucoup plus de pouvoir et de responsabilité au président de la République. Nous amendons ce amendement-là en 2003. Pourquoi tu ne veux pas réaliser l'importance de ce amendement? Mais un amendement vraiment important, qui malheureusement est déshonoré par le MSM de Pravin Jagnat et de se van nominer à Origi. Qui fait un, moi insister, dans l'importance, relie bien ça l'amendement de 2003. L'IFER du président de la République, le gardien de la Constitution et des libertés fondamentales. L'IFER du président de la République, le garant de l'état de droit et de la séparation des pouvoirs.
et lui faire du président de la République le défenseur de l'unité dans la diversité. Il y a un devoir moral au terme de la Constitution, et il y a un pouvoir, non seulement qu'il exerçait, mais pas sur l'influence morale aussi. L'exemple qu'il est donné, qu'il est utilisé, et qu'il est capable de donner. Donc, ça va l'amendement de 2003 là, c'est bien important, et ce poste de président de la République, bien, bien important. En fait, il y a un poste fondamental dans la République de Maurice. Mais ceci dit, étant donné, il y en a beaucoup quelque chose qui me paraît ces derniers jours dans la presse, me demande, van militante et van militant, pas prendre compte ce qui fait paraître jusqu'à présent à l'effet qui, moi, Paul Béranger, opérale comme président de la République courique. On dit, Mandel, pas prendre compte, pas t'en casser, laisse-nous faire le travail. Nous pas encore conclu la bonne discussion, pas ce travail chez moi-même, PMST, keep cool, laisse-nous conclure cette bonne discussion-là, et en temps et lieu, on va informer la population générale et les militants, et les militants en particulier, qui nous est proposé. Merci. Nous revenons le gros mot, surtout aujourd'hui, ce qui peut arriver concernant le thon dans l'océan Indien, nous perdons vers une catastrophe d'une situation bien, bien dangereuse. C'est pourquoi on va suivre de près sa réunion de Indian Ocean Tuna Commission et moi, souhaiter que toute la presse suive ça de près. Et moi, espérer que le gouvernement vous consulte. Tout le monde qui nous vise à consulter. Et pour coordonner avec Rennes, ma ville et tout les autres pays avec lesquels nous visons coordonner. On va passer ta parole. Vous avez une proposition spécifique que tu as souhaité faire sur cet engagement? Non, enfin, entre les lignes de tout ce qu'ils vont dire, il y a une ta proposition qui est capable de faire. Bon, là, nous dans une situation que si continuer comme ça, Indian Ocean Tuna Commission disparaît. D'abord, il est faible. Comment on dit ça tout à l'heure là? Il est déjà très faible. Si il y a une décision, prend pas l'Indian Ocean Tuna Commission et qu'il y a un pays pas d'accord, s'il déclare qu'il n'est pas d'accord officiellement, ça part pile pour lui. Ça veut dire l'organisation là, bien, bien faible. Mais manière l'Union Européenne de faire à Mombasa, manière l'Union Européenne peut faire en général, il ne faut pas hésiter pour dire si nous ne pas ressaisir. Si pas gagner une bonne réunion de l'Indian Ocean Tuna Commission à Maurice dans quelques jours là, il y a le danger que l'Indian Ocean Commission, qui déjà est bien faible, mais il y a le danger qu'il disparaît complètement. Et là, naturellement, il y a là, dans le pays riverain, il y a une responsabilité de relancer une nouvelle organisation pour défendre avant tout l'intérêt de les pêcheurs, devant une population de et autour de l'océan. Nous prenons compte ce qui est l'Union Européenne peut dire, mais laisse-moi dire franc, bien, bien, bien critique vis-à-vis le rôle de l'Union Européenne concernant le thon dans l'océan. Vous ne pouvez pas contacter directement l'Union Européenne, mais c'est la cause de l'Union aussi, la cause de l'Union Européenne. Oui, mais plus le temps est passé, c'est ce qui explique la réunion de Mombasa, plus nous ferons dans une zone de crise. Donc, vous avez, prendre une mesure, vous avez dit, vous répétez, hein, l'Union Européenne, d'accord, qui si tout ça, un fiche aggregating devices, là, vous avez diminué. L'un peut demander abolir l'île dans le scénario. Mais l'Union Européenne, il y a quoi? Elle me fait avant les autres propositions, pas avant les propositions qu'il me fait, pour sa réunion qui prenne à l'île Maurice. Là. Mais, on demande l'Union Européenne, change fondamentalement cette attitude concernant le thon dans l'océan Indien, et aussi, ce qui m'ont dit, elle est là concernant la dérogation pour un pays comme l'île Maurice et les Seychelles. Merci.
On est certain que les opérations anticorruption, d'abord, et la résistance à l'alternative, qui sont très défauts pour dans la cour, pour l'Union européenne. Oui, mais les incardiens, c'est qu'ils ont envie. Mais aujourd'hui, là, une usine de mise en conserve de thon représente plus que 5000 emplois. Ça ne va pas dîner non plus. Et vraiment, nous sommes dans une situation dangereuse. Quand il y a un overfishing, nous perdons une catastrophe, mais en même temps, il y a une situation bien, bien difficile et dangereuse. Hein. C'est pas. Si nous le dire carrément, quand ça retourne dans la cour avec l'Union européenne, c'est 5000 emplois à monter qui disparaissent dans une cour là, dedans. Hein. Donc nous, dans une situation, l'île Maurice et Seychelles, dans une situation bien, bien difficile, moi, j'espère que l'Union européenne, sur l'attitude jusqu'à présent, quand on connaît les détails de ce qu'il fait pour faire Kenya sauver à Mombasa. Mais c'est indigne de l'Union européenne. Pas qu'un droit en 2023 faire qu'on produit de sa façon-là. Quand vous pensez qu'il se restreint complètement la dérogation qu'il est capable de gagner. Mais il n'est pas bon. Moi, j'espère un changement d'attitude de la part de l'Union européenne à sa réunion qui va venir. Je te signale pour un quota pour certains types de thon. Là, vous avez des quotas là qui t'avaient. Non, il y a trois qualités de thon dans l'océan Indien. Il y a une mauvaise qualité menacée, mais tous les trois menacés. Nous payons vers une catastrophe concernant le thon en général. Certaines qualités de thon plus, beaucoup plus menacées qui donnent. Mais tous les trois menacés. Et ça m'a oublié de dire, je crois que si mon gars, je le connais. Problème pour Maurice, c'est que le thon, il fait le tour de l'océan Indien. On dit, ah, combien de fois dire ça, il fait le tour de l'océan Indien tous les ans, avec température, du l'eau, etc. Il passe à travers sa gosse, Seychelles, Mozambique, le nord de Madagascar, Somalie, il fait le tour. Mais il n'est pas venu en quantité commerciale dans une énorme thon. Mais la pêche, tout ça, il fait une assade. Ça tombe qui apaisse au Seychelles, dans son économie Seychelles, ou de Chagos, ou du nord de Madagascar, etc. Donc, une situation bien, bien, bien difficile. C'est pourquoi, moi, j'ai utilisé énormément de consultations. Consultez bien, propriétaire d'usine de thon, consultez eux aussi, mais consultez l'opposition aussi, consultez les pêcheurs. Consultez les ONG concernées. Nous dans une situation bien, bien difficile. Nos situations, des fois, plus difficiles, c'est celle. Au moins, c'est celle qui est un tâton dans sa zone économique. Mais tout le temps, c'est celle. Oui. Tout le temps, c'est celle. Nous ne mettons pas beaucoup de temps, c'est celle. On ne fait pas c'est celle. Le bâtonnier européen, la pêche dans toute sa région de l'océan Indien. Mozambique, Somalie, nord de Madagascar, Seychelles, dans tout ça, on n'a pas dit sur Seychelles. Mais Seychelles, une vilaine plaque tournante, débarquée, transportée, mise en boîte, une vilaine plaque tournante. Vous trouvez ça qui tient régulièrement sur les talons à ce sujet? Ben, j'ai eu une raison. Ben, la sonnette peut finir, hein? Ben, ça, il a. Évidemment, nous mettons le bateau. Nous tiennons. Mais laisse-moi dire, ça métier de la peston là. Bien, mais c'est bien, bien difficile. Ça, vous pourrez dire, l'Union européenne, mais c'est un des moyens les plus modernes qu'il y a. Satellite, hélicoptère, ben, l'équipement ultra moderne, ben, personnes énormes, une grande scène qui craque autour de ça, une face là, attrape tout. Non, moi, vous voulez faire sa conférence de presse là, aujourd'hui, avant sa réunion du 8 au 12 mai là, vis-à-vis de Mauricien, pas juste sa bande de travailleurs de sa bande d'usine là,
Vis-à-vis de Mauricien, réaliser en général, tu peux arriver. Pas monter, pas représenter. Non. Et il y a une organisation bien fait, comment vous dites ça? Bien fait, mais dans le cas de la Grande-Bretagne, vous gagnez rien, comme on pense. L'Union européenne, c'est la Grande-Bretagne, comme on nous connaît, la Grande-Bretagne, l'Union européenne. Mais la Grande-Bretagne peut servir de notion de la commission de toute surveillance avec l'Union européenne. Enfin, vous pouvez rire, mais pas bien rire, hein. Les allons. Oui, c'est la même question. L'eau, le temps. Ok, nous avons une situation politique. Évidemment, je ne peux pas vous gagner. Je vous pose question, c'est le droit. Non, ça part. Mais mon droit, ce n'est pas une réponse assez stable. Le premier, bien sûr, nous pouvons faire la même activité qu'il nous fait tous les ans, c'est-à-dire déposer à 5 ans, surtout parce qu'il y a 5 ans, mais aussi partout, à travers Maurice, qu'il y docteur curé, qu'il y signe Bassin, qu'il y bisoun doyal, tout bon lutteur du passé, tous les ans nous faire dire, maintenant nous faire un dépôt spécial, ça l'année là. Et nous pouvons subir à 5 ans, très tôt le matin, de 8h, 8h30. Vous êtes invité naturellement. Vous êtes invité naturellement, mais. Vous êtes invité. Il va t-il une discussion de tous les trois partis, tous les trois leaders fait en même temps, il mieux pour l'image publique? Non. Quand ça, l'idée d'un meeting conjoint là, pas une réalité, nous préférons. Tiens, là aussi, par exemple, tiens, beaucoup militants, tu veux dire, à nous faire une assemblée déléguée spéciale. Donc, c'est pour qu'il y ait une mobilisation. Mais le 1er mai, il n'est pas pour ça. Un grand meeting du 1er mai, il y a des affaires. Mais un congrès de militants, politiques, nous ne pas tout lire. Bon, nous préférons faire nos cérémonies de nos côtés, de couronne de fleurs, et n'en mettez plus dimanche. Vous pensez que ça l'expression là, mais oui, il y a une occasion ratée. Mais pas tellement pas de la faute, un peu pas de la faute. Parce que ce n'est pas une termine discussion, l'alliance simple. Mais le vrai bâton dans la roue, c'est MSM qui le mettait à travers la municipalité pour lui, et la ligne bloque va quoi aussi. Bien dire qui problème financier aussi, elle m'a dit problème. Mais nous, la casse. Mais, moi, je suis persuadé que ça lance un momentum qui s'est développé juste après le 12 mars. Mais si, elle ne sait pas si mettre le bâton dans la roue, si vous venez masser par votre propre moyen, si vous mobilisez pour le 1er mai, c'est une occasion ratée. Surtout par la faute MSM, bien, s'il ne fait pas nous la faute. Mais qu'est-ce qui cloche entre l'UPRC et le PMM? Hein? Est-ce qu'il vous croit qu'il nous faut négocier une alliance à travers une conférence de presse? Au contraire, on peut vous donner un coup de main. Donne-nous un coup de main, pas comme ça, ça. On dit pour le moment, nous pas pour ajouter plus que ça. On ne gagnera pas cette question, on ne gagnera pas répondre. Parce que, pardon, je vais l'être d'autre, mais on peut le voir. Mais est-ce qu'ils vont parler d'un an? Les négociations allaient aussi commencer. Plus même. Non, même plus. Plus. Est-ce qu'ils ne savent pas plus faire le jeu de gouvernement? Non, rien qu'à pas faire le jeu de savane bandit. Mais, on ne peut pas payer, tout va le parlementaire, même le bonheur. Tout va le parlementaire, je vais. Chaque semaine, quand je pas expulsé, tu vas loin. Donc, aux yeux du public. Parce qu'à un certain moment, mais naturellement, nous-mêmes, premier, tu es content qu'il nous conclure. Nous-mêmes, premier, tu es content qu'il nous conclure. L'alliance, pas dans le discours. Ça virgule, mais les grands, les grands points, hein, nous-mêmes, le premier, nous sommes contents qu'il termine une discussion sur l'alliance. Travailler ça même
PMSD, et qui met ensemble le premier mai. Mais la grande prochaine, il y a tout le temps, on perd le fraude électoral, après nous mettons. C'est pourquoi là dans les heures, j'ai fait tout le temps ça document. Il y a un petit cafouillage dans la rédaction, il est facilement réglable. Vous pensez qu'il. Peut-être, si c'est la fin de la semaine prochaine, les trois parties ensemble, nous remettons ça, ça document-là au commissaire électoral. Mais déjà, on arrive bien loin, hein, on est déjà félicité, on réfélicite le commissaire électoral, qui vient dire, c'est un avis. Objection à l'existence de votre computer room. Ok, pas bien, computer room. Salon, il dit maintenir ce point de vue. Il m'a devoir, il n'y a pas fausse ce point de vue. Il dit maintenir ce point de vue qui bat le computer room, pas fin servir pour aucune élection, et pas capable de servir pour aucune élection. Bat le computer room, il dit, c'est uniquement pour diffuser des informations. Et il nous a ajouté, si, quand il même jour, il est là, pas besoin de computer. Et très bien, de ce part, nous étions. Et dans une deuxième affaire dans laquelle nous pouvons insister, c'est Yard Agents. Pour la dernière élection, depuis un an, Yard Agents. Mais avec ça, gros problème de travailleurs étrangers manipulés pour voter, nous pouvons insister que Yard Agents résout le problème. Et la négociation des trois comptes pour bien inclure les partitions tickets. Tout. Un dirigeant président ou je ne sais pas où vous arrivez à avoir un débat. Tout. Il y a une alliance entre la même travailleur, même il est obligé de couvrir tout. Mais ayant dit ça, il est obligé de couvrir tout, mais je ne vois pas pourquoi il n'a rien osé. Mais il comprend aussi poursuivre contre la Goulam qui est déjà à la cause. Rien. Conseil privé. La Goulam, il n'y a pas de question pour la cause. Oui, mais. Pas ça qui peut ralentir. C'est pas ça. C'est une priorité, ce document-là. Nous prêts pour nous finaliser dans les heures qui viennent. Reste un certain nombre de points. C'est pourquoi on est obligé de mettre une petite mise en garde, comme ce qui paraît dans la presse. La presse libre, selon sur l'information, et surtout la presse de bonne foi. Dans la presse de mauvaise foi, ça c'est de la paix. J'existe. Mais la presse de bonne foi, il y en a une liberté de rendre l'information, de publier. Mais. Ça veut dire qu'on peut d'autres candidats pour les prochaines élections. Vous comprenez que le bien. Vous entendez que le bien là. Avec vos créoles, ça même dit. Si vous voulez me répéter, vous pouvez répéter. On dit qu'il y en a toutes sortes de choses qui me paraît, on demande pas de militante et qui ne traverse pas de militante. Militant, on vient dire. Donc, on peut demander à un militant, il n'a pas pris en compte ce qui paraît dans la presse. Il doit tout prendre en compte, mais pas prendre à cas. Pas prendre en compte, nous connaissons ce que nous pouvons faire, nous connaissons nos devoirs vis-à-vis de nos pays, vis-à-vis de nos partis, vis-à-vis de nos militants et militants. Mais nous, même nous n'avons pas envie d'un président de la République, ça n'a pas intéressé. On ne va pas vous dire plus. À un mois, 13 jours de dissolution au bas de la municipalité, pas qui dit à ça? Comment on va y en cause? Oui, mais pour le moment, là, à partir du jour, il n'y a pas 13 jours là. Il n'y a pas de temps, c'est libre pour conclure tout l'alliance ensemble. Non, il était venu déjà dire, si il y a une élection municipale, dans l'ensemble. Il a dit ça. Il paraît, là. Si il y a une élection municipale, mais franchement, manière mon pays était là, pour pas trouver qu'il y a une élection municipale. Je pourrais envoyer encore une fois et vous trouvez l'élection générale pas loin. Manière de plus faire, vous trouvez l'élection générale pas loin. C'est la réunion hier où je crois qu'on arrive à Moulin, l'élection générale. Oui. Qui fait au moins un petit peu. Nous ne passons pas un petit moment délicat. Ramoulin nous vient de moi, hier même, et nous vient Duval, hier même. Et le travail continue, le travail au fond. Le retour de Boulet, là. Vous connaissez la presse. Moi, je fais l'école de journaliste, et pour moi, la vraie journaliste, hein,
pas de meilleur seigneur et pas de monde de mauvaise foi. Vrai journaliste pour moi, c'est tellement plus grand métier. On a fait à l'école de journaliste à Paris, ça va, en 1968. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de travaux pratiques dans vos pavés. Mais parfois, la presse ne risque pas faire ce travail. Là, vous avez un exemple. David Angoulam, il confirme qu'ils ont du mal. C'est un gars de moi. Moi, on peut confirmer qu'hier, David Angoulam, ils ont épaule de Ranger et du mal. Et nous pouvons rejoindre à trois très vite. Très vite. Avant tout, pour finaliser ça. Mais moi, je vais donner un autre exemple. Le top civil servant, le secrétaire aux affaires étrangères de l'ANU, Vide Maurice. Après, s'il a rapporté, et naturellement, il nous a le premier ministre, naturellement, et après, s'il a rapporté, qui, l'Inzène, Navin Rangoulam, la presse, qui demande, moi, c'est pas l'Inzène, moi, ni, d'après ce que vous comprenez, ni Xavier Duval. Mais oui, on avec plaisir, on recevra, dit, étant donné ce statut, ce rôle, il nous bien discute à Galéga, très positif pour Galéga. Et ça va, parfois la presse, et là où tu es sous l'impression, que rien n'est pas le monde, tu sais, la personne complète, ça veut dire qu'il a un tel, il fait côté. Ramoulam, il a un tel, il fait côté du Val, non, il nous a de moi, il nous a de Val hier, et il nous a très vite la croix. Et prochaine rencontre ou. Ah, c'est que les bonsoirs. T'as un petit peu. Alors, on paye, c'est un affaire volée là, avec une 5 sessions de suspension. Ça l'a fait rouler. Oui, il était moins peu blessé. Parce que ce qui est arrivé, pour la première fois, il viole la Constitution, il viole la loi. Vous dites dire ça. Speaker peine un droit, pénalise quelqu'un, prend sanction contre quelqu'un, pour ce qu'il dit, Théo. Ça chauvage, il a l'ordre de la loi. Ce qui ne révolte moi, c'est sa vermine, ça c'est vermine de. Obligatoire là. Et tout ça va nous suivre. Un jeune, premier mandat, de tout une beauté. Quand on a mis dans mon goulam et Obligatoire. Jagnat et Obligatoire, ils présentent une motion. De tout. Mais moi, pas. Autour du monde qui viole nos constitutions, moi, pas. Un peu de décence, sa situation de Paul Guérandela, c'est parce qu'il se type viole la loi. Et je dis, il le reconnaître si on a cour. Il vient le reconnaître si on a cour. Mais ça appartient un peu de la décence, puis il dit, seulement moi, je ne me pas plaigner, parce que mon camarade Rajes et mon petit-fils Joana, aussi suspendent, au fond, ils vont, qu'ils ne peuvent pas les suspendre. Malgré qu'ils disent que c'est différent. Il suspend Rades d'une façon déraisonnable et Joana d'une façon déraisonnable, mais vous prenez quelque chose qui me fait dans le Parlement. Moi, je dénonce sa viol de la loi. Sauvez de bien sauver de moi. Sauvez. Bien, allez. Bon week-end, naturellement, bonne fête. Et bon week-end. Et à bientôt.